Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est en PR 47 et on va faire un review du Evil Offering. Ça fait que, ouais, c'est ça, le Evil Offering, c'est un petit vélo que j'ai acheté usagé un petit peu plus tôt ce printemps. Je l'ai roulé un petit peu, je pense que j'ai une bonne idée si le bike va bien ou pas. Ça fait que je vous montre les composantes, après ça, on s'en va dans le PR 47, on trouve une petite montée pour voir un petit peu comment que ça va. Et ensuite, on va faire un peu de descente. Alors, mon magnifique Evil Offering, qui est très très sale, là, je m'en excuse, je viens de faire du chemin de terre un peu. Ça fait qu'il n'y a pas l'air de grand chose comme ça, il est tout noir. Pour vrai, c'est des bikes qui sont assez sobres quand on n'a pas de kit de décalque. Ça fait que je passe très très vite au niveau du build, je vous l'avais déjà montré. Lyric Ultimate en avant, Super Deluxe Ultimate à l'arrière, donc 140 de travel à l'arrière. En avant, j'ai monté de 150, je suis rendu à 160. C'est un petit upgrade que je voulais essayer et finalement, j'adore ça, fait que ça va rester comme ça. Les roues des Crank Brother Synthesis avec un hub à 19 points d'engagement en arrière. Et non, c'est pas assez, je déteste ça. Après ça, les freins ont été upgradés. J'ai enlevé les G2 ou les guides, j'avais essayé les deux. Et je suis rendu avec des magnifiques codes RSC avec des rotors HS2, 200 en avant et 200 à l'arrière. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Guidon en carbone, DT en avant, 7,80 que j'adore, toujours en potence 9,8. Toujours un headset moins 1 degré de Works Component. Ceux qui me demandaient, ma bouteille, c'est une Fiddler. Regardez, chuk-luk. Il reste un petit truc comme ça ici et c'est un aimant. Ça fait que j'ai un petit kit Fiddler sur chacun de mes bikes. Tu cliques ta bouteille et c'est super pratique. Dropper Post Bike Yoke 185 mm, CLWTB. En arrière, des DHR2 qui sont vraiment sa fesse que j'ai hâte de percer. En avant, des DHF que j'aime pas, mais je vais peut-être les percer aussi. Transmission, XO1 pour le dérailleur, chaîne XX1 Black, cassette XO1 et un crankset SRAM Descendant qui est genre un SRAM GX avec une autre peinture. Des pédales One-Up que la couleur ne fit pas et je crois que ça fait le tour. Ah oui, un pédalier ovale de 32 dents en avant. On s'en va rouler. Alors, au niveau de la montée, est-ce que le Evil Offering monte bien? Oui. OK. Trêve de blague. La réponse est simple, c'est oui. Moi, c'est mon premier trail bike que je mets beaucoup de temps dessus. Du haut de ses 31,5 livres, au meilleur de mes connaissances. Venez pas me dire que le poids fait pas de différence. Ça fait une énorme différence. Est-ce que ça fait une différence pour vous? C'est à vous de me le dire. Mais c'est fou comment traîner moins de poids aide énormément à monter rapidement. Quelque chose que j'avais remarqué, c'est que le devant avait tendance un petit peu à lever. C'est quelque chose que j'avais entendu de ce bike-là. De mon côté, j'ai mis le angle set en avant. Ça a réglé le problème, tout simplement. Rien à dire, j'adore ce bike-là avec ce poids-là. Bien. Alors, comme première trail, pour tester ce petit bike-là, on va aller faire une petite belle brute. Okay, ça fait un petit bout que je vous ai pas montré. T'sais, pas besoin de beaucoup de dénivelé pour vous montrer s'il est pas pire ou pas. Fait qu'on va aller dans la belle brute. Pas besoin de faire les grosses options. Alors, le petit offering, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Je vous disais que c'était un mode qui montait bien. Je peux vous dire, c'est un mode aussi qui descend bien. De mon côté, c'est nouveau d'avoir des petits bikes. Fait que je suis pas habitué à avoir aussi peu de travel. Fait que c'est vraiment spécial à être tellement plus proche de son milieu de travel comme ça. On perd tellement moins de force. Tellement moins d'énergie pour les relances. Ça, dès que j'ai des petits burns, je peux commencer à pomper le bike. Tout de suite commencer à réagir, tout de suite commencer à me propulser. Très bonne tenue de route. Très très bonne tenue de route. C'est sûr, j'ai pas le meilleur combo de pneus. Mais, ça ici. Le moitié est un petit peu plus qu'avec mes gros bikes, mais quand même très capable. Je viens de croiser mes chums du secondaire. J'ai de l'inquiétude. Il dit que ça allait faire la Nosferatu. Je dis, je pourrais faire la Nosferatu en trail bike. Je pense que c'est une bonne idée. Je suis vraiment pas sûr que c'est une bonne idée.
ça. Fait qu'à date, c'est sûr que versus un gros bike, je garde une petite jambe. Petite. Parce qu'évidemment, ça absorbe un peu moins. Mais beaucoup de place comme ça ici, je me rends compte que je suis déjà ultra plus rapide que le Wreck ou que le Dreadnought. On continue ici la ligne rapide. C'est sûr, il faut que je choisisse une petite affaire plus meeting. Pourquoi? Parce que moins de travel, rebond plus rapide. Si on va compresser. Hop! Mais tu sais, sinon, au niveau des sauts, elle se fixe à jump. Pour jumper plusieurs places, faut que je me watch, faut que je me garde une gêne. Parce que je décolle beaucoup plus qu'avec mes autres bikes. Même dans la Holkegen cette semaine, j'ai pogné une branche de sapin en face. Overshot un jump. Ça. Le gap. Ça. Fait que même offering, pas trop pour gapper ça. Après ça. Il me disait qu'elle était quand même assez sèche, il a raison. À peu près aucune boîte. Les conditions sont vraiment belles. Conditions parfaites pour le tester. Un type de pilotage différent de qu'est-ce que je connais. Plus quick, plus snappy. Plus de réactivité. Pas aussi capable que les gros, mais pas loin. Le 160 à la place de 150. C'est juste ça qui me manque. Estra. Moins surpris, j'allais faire l'Estra aussi. Parce qu'à 150, je trouvais que c'est un petit peu limité. Puis, tu sais, le fond, il arrivait vite. 160, je suis comme pas si loin de qu'est-ce que je fais d'habitude, de qu'est-ce que j'ai de travel d'habitude plutôt. Est-ce que ça va être le fun à jumper? Tu sais, mettons, si je prends en situation de bike park, entre lui et le wreck, lui jump beaucoup mieux. C'est sûr, la grosseur va être limitée un peu, comme je dis. Tu sais, j'irais pas faire la Godzilla avec ça. Malgré que. Ça. Fait que le bike est quick, le bike est snappy. J'avais un peu tendance à bottomer le choc en arrière. Mais j'ai mis un petit volume reducer à l'arrière. Ça a complètement réglé le problème. Fourche en avant, très bien réglé. Puis sur le du reste du build, c'est custom à qu'est-ce que je voulais ou à qu'est-ce que j'avais à la maison. C'est fatigué, bien pas, excusez, je travaille à l'envers. Très belle section en passant, en fait, par empire 47. Oh, trop de rebond dans la fourche. Je la connais pas encore assez pour ouvrir la machine en fou, mais juste assez pour avoir du fun. Ça, ça. Et on termine juste ici. C'était la belle zébrouté, l'Estra en offering. La petite dimension rock, ça. Fait qu'est-ce que je l'aime? Ben oui, je l'aime. Qu'est-ce que vous en pensez? Le pire, je voulais l'acheter puis juste le flipper. Puis finalement, ce bike-là, cette petite merveille pour vrai, c'est une petite surprise incroyable. Petit break. Maintenant que j'ai repris mes esprits après cette run quand même assez rapide, une chose que je remarque
que ce soit sur ce bike-là ou un petit trail bike. À quel point c'est plus agréable se déplacer dans les réseaux sur un bike comme ça. C'est juste des petites cuvettes comme ça. Quand tu vas avoir des gros 160, 170, tu sais, ta suspension arrière absorbe beaucoup le terrain. On dit en bon anglais, tu suck in beaucoup dans ton travel. Fait que tu sais, d'avoir moins de débattements comme ça, ça fait que juste en se déplaçant dans les réseaux, t'es plus rapide, t'es plus efficace. Puis tu sais, mettons les soirs de semaine, je suis beaucoup à Vallée-Bras-du-Nord, au Rockmont, pour faire mes petits trainings ou juste mon petit pédalage de soirée après la job. C'est juste de me déplacer entre les secteurs, me déplacer entre les pistes. Je me rends compte que j'ai beaucoup plus tendance, tu sais, à pédaler rapidement, à me challenger, à battre mes temps Strava. Je découvre ce bike-là puis je l'apprécie dans des places que je ne m'attendais pas. Puis honnêtement, j'étais certain que je l'aurais déjà vendu au moment où on se parle présentement. Puis à date, c'est un bike qui va me suivre toute l'année. Tant qu'à être dans le secteur, on va revenir faire ici la Belle et Brute. Yes. Alors, là où on avait quitté pour aller faire l'extra, on va faire ça ici. Petite action experte. De vraiment sortir. Ah. Alors, fait quoi? Les petites dernières modifs que j'ai faites à ce bike-là, qui est d'avoir enlevé les G2, avoir mis les cordes RSC, guidon DT en carbone, puis monter la fourche à 160. C'est comme juste ça qui manquait. Une dernière petite piste juste pour venir faire mon petit outro. Il restait pas grand chose à dire sur ce bike là. Peut-être qu'est-ce que je trouverais qui pourrait être amélioré. C'est certain que le C2 Bangle peut toujours être meilleur. C'est un bike qui est assez long à virer quand même pour un 29. Je pense que la nouvelle version ont changé l'offset de la fourche. Mais ouais, fait que c'est un 29 qui est quand même assez long à virer. C'est sûr, sinon, au niveau du choc en arrière, c'est un choc avec un stroke qui est assez court. Ça fait que pour les possibilités d'ajustement, puis faire de quoi qui a beaucoup de support, c'est pas facile. Je sais du monde qui roule ce bike-là comme bike principal vont avec un coil. Ça peut être une option. De mon côté, c'est carrément un trail bike. Petit bac d'entraînement, fait que je ne serait pas à mettre du poids là-dessus, c'est certain. Je sais que sinon, beaucoup de monde va aller faire la conversion avec le Cascade Link qui vient changer la progressivité du ratio de leverage et qui vient augmenter le travel de 140 à 146. Ça, c'est une option très dispendieuse. Pour une 450$, c'est qu'on va laisser faire. Fait que Koi Cascade Link, on laisse faire. Mais sinon, un excellent bike. Fait qu'à savoir, est-ce que je l'aime? Écoutez, oui. Si vous pensez que non, vous avez comme pas bien compris cette vidéo-là. J'adore ce bike-là. C'était carrément supposé être un bike que j'allais flipper. Puis non, je l'aime trop. Pour le prix que je l'ai payé, le niveau de performance que j'ai de ce bike-là, et ce que ça m'apporte, tu sais, versus avoir mes gros Reckoning, mes gros Dreadnought, que vous avez probablement vu le review du Dread et qui est probablement à vendre s'il n'est pas déjà vendu. Ça fait que le Evil Offering V1, un excellent bike, vraiment pas cher, si vous en trouvez un usagé sur le market. Évidemment, il y a la version V3 qui est la plus récente, qui elle va être en super boost. Le mien est seulement en boost et c'est très correct, je peux changer mes wheelsets avec moins de problèmes. Beaucoup de monde que j'avais entendu qu'il y en avait un, Oli Godbout pour pas le nommer, il disait maudit, je m'ennuie de mon free. Fait que tu sais, le prix que je vais avoir pour vendre ce bike là versus ce que j'en tire de mon côté, ça vaut la peine de le garder.
Je l'adore et probablement que ça va rester mon trail bike pour quelques temps. Ou peut-être que je vais changer d'idée avant la fin de l'année. Ça fait que sur ça, j'espère que vous avez apprécié ce petit review du Evil Offering V1. Je vais aller faire une petite dernière piste toute seule de mon côté. Un gros merci d'avoir écouté. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Free Ride Québec. Mettons que ça vous tente en bonus, je vais vous montrer le reste de la Florentine. Beaucoup de monde qui me disent merci de montrer les pistes bleues, merci de montrer les pistes vertes. Écoutez, ça fait plusieurs années que je fais ça, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qu'on me force à faire. J'ai beaucoup de fun à faire ces pistes-là, puis j'ai une super belle réponse de la part des gens qui écoutent ces vidéos-là. Fait que... où je garde en tête que Free Ride Québec, c'est beaucoup du stock plus avancé, du double noir, des grosses affaires comme ça, mais au niveau que je suis rendu, honnêtement, ça me fait plaisir de vous montrer ça. J'adore le faire. Puis tu sais, je me suis même acheté un bike carrément pour ça. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'avantages à prendre ce bike-là pour aller faire du gros noir. Tu sais, j'ai des grosses machines qui sont faites pour ça. Ça fait que... ce petit bike-là est une machine pour vrai. Pour triper dans ce genre de piste-là. Fait que ouais, c'est tellement différent des gros enduro qui mangent tout que tu peux prendre des lignes de marde comme je fais d'habitude. Tu sais, tu changes beaucoup ta manière de rider. Des places des fois, je prendrais le temps de... pour faire un virage plus long, ben là j'ai le temps de changer de direction rapidement. Jumper des affaires que je jumperais pas parce que j'arrive plus vite. Fait que... non, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré ajouter à mon arsenal cette année. C'est certain que les trail bikes sont là pour rester. Probablement que ça va être lui. Pour le prix que je vais le vendre, puis tu sais ce que je peux aller chercher avec la vente de ce bike-là, honnêtement, je vois pas l'intérêt de tenter d'upgrader, changer. Au moment de rouler ces pistes, on s'en va à Thunder lundi. Et sinon, week-end prochain, belle neige et Mont Blanc. Fait que ça devrait être très très beau milieu d'année. Un gros merci encore à écouter. Sur ça, je m'en vais à la bière.